My name is Ayla Amir, and in my role as the Executive Director of AMI Quebec, I'm very pleased to welcome you to the second Quebec Symposium on Young Carers. First, I wish to recognize that we are gathering today on unceded Indigenous territory, on lands with a rich history of occupation and stewardship by Indigenous peoples for millennia through to the present day. En reconnaissant l'endroit où nous nous réunissons aujourd'hui, j'espère que nous nous souviendrons tout de notre relation avec la terre et entre les personnes, les communautés et les systèmes. Cette relation et les soins qu'elle nécessite est au cœur de ce dont nous sommes ici pour discuter. All of the interventions to be discussed today need to be prefaced with the acknowledgement and knowledge of the impacts of the ongoing and historical nation-to-nation relations here and wherever you are joining us from. I cannot move on without acknowledging my deepest pain about the many wars, armed conflicts, and mass violence in the world right now. I wish we can recognize that hatred, revenge, and retaliation can offer at best a momentary relief from pain, but respect, kindness, and love can sustain our humanity. Ce colloque, comme le premier en 2019, a été piloté par AMI Québec avec la participation d'un groupe de travail qui partage nos objectifs et nos aspirations. When we presented the first Young Carers Symposium back in 2019, very little attention was paid to the children and youth in Quebec who provide unpaid care to family members with chronic illness, disability, mental health or substance use issue, and or problems related to old age. While caregiving can have many benefits, there are important risks and negative outcomes, especially when associated with young age. À l'époque, notre objectif était d'accroître la sensibilisation et la reconnaissance des gens aidants et de leurs droits à l'information, à l'orientation et au soutien. Aujourd'hui, l'élan autour des questions relatives aux gens aidants se renforce au Canada et nous pensons qu'il est temps de passer de la sensibilisation et de la mise à évidence des gens aidants à l'action à l'établissement de notre parcours collectif. Nous croyons que le Québec peut devenir un chef de file dans la reconnaissance et le soutien des jeunes aidants. Et bien que ces objectifs soient ambitieux, nous sommes convaincus que le moment est venu. With today's symposium and with your participation, we hope to elevate attention to young carers a notch or few notches. At AMI Quebec, we have already done that when 2 years ago, we engaged Oliver Fitzpatrick as our first Young Carers Coordinator, a move that demonstrates our commitment to the advancements of this dossier. You will soon hear from Oliver about the current state of affairs in that regard. Il est tout à fait clair pour nous que parler des gens aidants ne peut être efficace sans la participation active de ces dernières. Dans le symposium d'aujourd'hui, environ 20% se sont identifiés comme gens aidants actuellement ou dans le passé. Ce symposium a été conclu avec la participation active des gens aidants. Oliver lui-même, Jean aidant, montra la voie. Vous reconnaître les participations des gens aidants tout au long de la journée. Before I invite our special guest speaker, I would like to wish you all a stimulating and inspiring experience. Avant d'inviter notre conférencier spécial, je voudrais vous souhaiter à tous une expérience stimulante et inspirante. Our first and very special speaker is Professor Sol Becker. Professor Becker is regarded as a world leader for young carers' research, policy, and practice,
Having pioneered this field and worked with children and young adults with caring responsibilities for over 30 years. He has been awarded nearly 60 reçu presque 60 prix de recherche en tant que chercheur principal pour de nombreux articles. Ses 570 articles et ses écrits, incluant 18 livres, ont produit des conseils au gouvernement, aux décideurs concernant les jeunes proches aidants. Il était proche aidant à son enfance. Saul détient un poste professionnel aux universités de Cambridge, Sussex, Birmingham, Nottingham et Loughborough avant de bouger à l'université Manchester Metropolitan en 2022 en tant que professeur en matière d'enfants et de famille. Son travail a été présenté dans 10 documentaires télévision. Il a été nominé par Universities UK comme étant l'un des sauveurs de vie de la nation sans individu ou groupe situé dans la Grande-Bretagne ont été profondément impactés par le travail de M. Becker. C'est un grand honneur d'avoir M. Becker avec nous pour nous partager son expérience et son expertise. Bonjour. Forgive me that I can't do the whole presentation in French and English. I learned, I was saying on my table that as a child I learned French at school. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir faire ma présentation en français. J'ai appris le français à l'école quand j'étais enfant, mais je ne vais pas vous soumettre à cette expérience terrible de mon français aujourd'hui. Merci Ella pour sa présentation. Et Oliver et toute l'équipe de Ami Québec qui ont organisé ce symposium. J'aimerais maintenant, pour la prochaine 30 prochaines minutes, vous parler un peu de ce qu'on sait sur les jeunes proches aidants, ce que la recherche nous dit sur les enfants qui ont un rôle de soins à la maison. Et maintenant, j'aimerais me concentrer, en fait, principalement dans ma présentation, sur ce qu'on essaie d'atteindre comme objectif, ce qu'on tente d'obtenir comme résultat pour les jeunes aidants. Et je vais proposer 16 appels à l'action qui pourraient nous aider à accélérer l'élaboration de programmes québécois pour les jeunes aidants en se basant sur l'expérience mondiale et sur plus de 30 ans d'études et de militance en la matière. J'aimerais maintenant commencer au tout départ. Je vais vous parler de ma propre expérience et j'espère que vous allez me prêter votre attention pour quelques instants. Je crois que je n'avais pas réalisé l'importance de ces expériences familiales, autant pour moi et pour de nombreuses personnes dans cette salle et autour du monde qui défendent les intérêts des jeunes aidants. J'avais 12 ans, lorsque j'ai commencé à prendre soin de ma grand-mère. On peut voir ici dans la photo ma mère qui est à la droite et ma grand-mère, ma mère est donc à la gauche et ma grand-mère est à la droite. Et dans cette photo qu'on voit, ça a été pris en 1960, j'avais quelques mois. Ma mère et ma grand-mère avaient l'air de porter la même robe. Et j'ai l'impression que dans les années 70, les robes fleuries comme ça étaient vraiment très à la mode. Mais j'ai découvert ces photos la fin de semaine dernière, en fait, lorsque je préparais ma présentation. C'était très émotionnel, pour moi c'était très émotif de regarder les photos de famille comme ça et de tomber sur ces images. Donc voilà, c'est moi, tout bébé, je n'avais même pas un an et ma grand-mère qui me tient ici dans la photo à droite. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à m'occuper de ma grand-mère, ça a été un changement de mode de vie. J'ai commencé à m'occuper d'elle à partir de 12 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Et ma grand-mère avait la maladie du Parkinson.
Et pendant cette période de temps, j'ai dû faire beaucoup des choses dont vous entendrez parler de par nos jeunes procédants aujourd'hui. Et selon les données récoltées à travers le monde, nous pourrons comparer les tâches et responsabilités qui incombent aux jeunes aidants. Et donc, pendant cette période de ma vie, jusqu'à mon doctorat, je me suis souvenu de cet appel. J'ai eu la chance d'aller à l'université dès l'âge de 19 ans et c'est vraiment chanceux, en fait, quand on est un jeune aidant de pouvoir aller à l'école. C'est pas le cas de beaucoup de personnes qui doivent s'occuper de personnes chez eux. En fait, c'est pas possible d'aller aux études si on s'occupe d'un enfant, d'une soeur, d'une frère, d'un membre de la famille à la maison. Qu'est-ce qui arrive si on doit laisser notre jeune frère ou notre jeune soeur à la maison pendant qu'on va à l'école, par exemple? Et donc, ces choix de vie, ces transitions à la vie adulte, à la vie indépendante, deviennent beaucoup plus complexes lorsqu'on a des responsabilités de soins pour un membre de sa famille. Donc, j'ai eu la chance de me rendre à l'université et puis ma grand-mère est décédée lorsque j'étais au milieu de mes études doctorales. Et puis, de façon assez intéressante, j'ai dû commencer à m'occuper de ma mère, donc la personne qui est à la droite de cette photo. Pardon, à la gauche, je vais t'interpréter, ce mélange entre sa droite et sa gauche. Mais donc, ma mère a aussi développé la maladie de Parkinson plus tard dans sa vie, jusqu'à développer des symptômes de démence plus tard dans sa vie. Donc, ma première expérience de soins a eu lieu de l'âge de 12 ans jusqu'au début de ma vie adulte, et ma deuxième expérience a été au milieu de ma vie adulte jusqu'à mes 50 ans. Ou ma cinquantaine. Et donc, ce parcours et ces deux expériences de soins et de proche aidance ont été profondément formatrices. Mais ces expériences, je dois l'avouer, à l'époque, moi, la première fois, à 1972 ans, on ne parlait pas de jeunes aidants. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas encore nés, mais vous devez savoir que dans les années 70, en Grande-Bretagne, on ne parlait pas de proche aidance, de jeunes aidants. Je n'avais pas de titre ou de définition pour décrire ce que je faisais. Il n'y avait pas de service ni de programme pour reconnaître ces activités. Il n'y avait même pas de conception de travail informel non rémunéré. C'était vraiment le vide absolu pour les jeunes comme moi et des centaines de milliers d'autres jeunes dans ma situation. Et même des centaines, des milliers, même des millions d'adultes qui prennent aussi soin d'un membre de la famille dans l'obscurité. Donc, c'était un moment difficile. Il n'y avait pas de soutien ni de reconnaissance de mon travail. Les jeunes aidants n'ont pas vraiment de droits légaux spécifiques ou quoi que ce soit. Donc, qu'ai-je appris de cette période pendant que je prenais soin de ma grand-mère pendant mon enfance? J'ai appris des connaissances, des compétences sur comment aider quelqu'un qu'on aime, comment être confortable avec leur douleur, leur inconfort. J'ai appris comment nourrir quelqu'un qui n'est pas en mesure de le faire pour soi-même, de le faire avec dignité et avec un sens de l'humour même. J'ai appris à écouter, à parler, à entendre et à être physiquement et émotionnellement présent pour ma grand-mère qui avait besoin de ce type de soutien. J'ai appris comment faire plusieurs tâches à la fois, comment arriver à m'occuper d'un ensemble de responsabilités pendant que je faisais mes études. Et c'est ça tout le défi que de nombreux jeunes aidants doivent surmonter alors qu'ils tentent de faire leurs études tout en prenant soin d'un membre de la famille. Et puis ensuite vient l'université et la vie autonome adulte, parce que de nombreux jeunes aidants n'arrivent pas à simplement lâcher prise sur leurs responsabilités familiales à 18 ans. Ils continuent à s'occuper de leurs rôles familiaux au cours de leur vie adulte. Donc, qu'ai-je appris depuis? Qu'ai-je tiré de ces réflexions avec 30 ans de travail avec les jeunes aidants? Eh bien, j'ai appris que ces expériences que j'ai vécues à l'enfance, l'adolescence, qu'à l'époque, je ne qualifiais aucunement de quoi que ce soit d'autre que de simplement être le petit-fils de ma grand-mère. On le voit comme une extension, une représentation de son identité, de sa vie, de son amour, son affection pour son lien familial et plutôt
que de le voir comme étant un travail soi-disant informel ou invisible, non rémunéré, etc. Mais ce que j'ai reconnu cependant et ce que je ne voyais pas à l'époque, c'est l'importance de ces expériences pour le reste de ma vie. Donc, c'est mon passé, mais c'est aussi mon futur. Ces expériences ont défini ma valeur, mes principes, ce qui est important pour moi dans la vie et pour vous, comme pour ce que vous tenez comme étant prioritaire dans votre vie adulte. Pour moi, ces expériences ont façonné mes valeurs, mes principes, de gentillesse, d'équité, de justesse, de service public et l'importance essentielle de la famille qui cimente le sens éthique et moral d'une société bienveillante. Ça m'a aussi appris l'importance de soutenir les individus afin de les aider à devenir le meilleur de soi-même tout en naviguant les complexités de la vie. Ça m'a aussi appris à confronter les structures et les injustices qui façonnent souvent ces conditions dans lesquelles nous devons vivre. Donc, il faut lutter pour la justice sociale et combattre les inéquités de nombreuses personnes et les conditions injustes dans lesquelles de nombreuses personnes doivent évoluer. Nous devons défendre les intérêts des individus, mais aussi les intérêts de la cause. En 92, j'ai commencé à faire de la recherche sur les jeunes aidants. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'allais passer les 30 prochaines années à faire des recherches et à écrire sur les jeunes aidants. Et en fait, je parlais à Nick, qui est étudiant au doctorat. Fais bonjour, Nick. Je lui parlais de ma première étude à vie qui s'appelait Children in Care Inside the World of Young Caregivers. C'est la page couverture qui est en haut à gauche, donc publiée en 92. Ça fait tellement longtemps, je ne me souviens même plus de sa publication, mais c'était la première étude sur les jeunes aidants en Grande-Bretagne. Ça nous a pris un an pour faire cette recherche, 9 mois pour trouver les enfants, 3 mois pour faire la recherche et écrire le contenu, parce que c'était tellement difficile à cette époque de trouver des jeunes aidants, parce que ce n'est pas défini. On devait expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on voulait dire par un jeune aidant. Et même si j'avais fait ce travail en tant qu'enfant, moi-même, lorsque j'ai fait cette recherche, je n'avais pas encore connecté mon expérience d'enfance avec le fait que j'étais en train de faire cette recherche. Et donc, même à l'époque, alors que j'avais 32 ans à ce moment-là, je n'avais pas encore fait le lien entre mon passé et ce qui allait devenir mon avenir. Et depuis, comme Ella le disait, il y a eu 60 études, 18 livres, de nombreuses recherches conduites à travers le monde et je suis profondément fière de travailler avec des gens à l'international qui sont inquiets de l'amélioration des conditions et des occasions de vie des jeunes aidants. Donc, faire le tour de 30 années de recherche en une seule diapo, c'est très difficile, mais je peux déjà vous dire qu'est-ce qu'on sait des jeunes aidants, qu'est-ce qu'ils font. Il y a différentes méthodologies et donc ça produit différentes statistiques. Et donc, je vais dire quelques mots à ce sujet. En Grande-Bretagne, il y a un recensement social de la population qui est complété à chaque 10 ans et qui doit être rempli par le chef ou la chef de famille. Et notre recensement, pour les 3 derniers recensements, ont posé des questions sur les autres personnes dans votre famille qui fournissent du soin non rémunéré.
Et si c'est le cas, on demande d'identifier leur âge et le nombre d'heures de soins et de travail que ce jeune met dans la famille par semaine. Et donc, le chef de famille doit nous indiquer ces chiffres. Et selon les recensements en Grande-Bretagne, on sait qu'il y a de 2 à 3 % de tous les enfants de la Grande-Bretagne sont identifiés comme étant des jeunes aidants dans leur contexte familial, et cela selon les dires du chef de famille lui-même ou elle-même, qui pourrait être elle-même en situation de devoir recevoir du soutien. Donc, de 2 à 3 %, c'est une petite proportion. Et j'ai toujours dit, lorsque ces statistiques ont été publiées, qu'ils étaient sérieusement sous-représentante pour le nombre de vrais jeunes aidants, parce qu'il s'agit d'attendre que l'adulte en question nous indique si son jeune prend soin de lui. Et bien sûr, conceptuellement, psychologiquement, il y a des barrières psychologiques à admettre qu'un enfant prend soin de soi dans sa famille. Nous dire leur âge, le nombre d'heures qu'ils mettent de travail par semaine, et ensuite de le dire dans un document de statistique officiel national qui dit aux gens que son enfant prend soin de soi. Alors, ce que j'ai argumenté, c'est qu'on avait besoin de trouver une autre approche, de vraiment définir et trouver le niveau des soins donnés par les enfants dans la maison. Alors, il fallait demander directement aux enfants. Alors, depuis les dernières 15 ans, on a fait plusieurs études avec le PVC et ça a demandé aux enfants eux-mêmes, réellement, dire est-ce que vous êtes des aidants? Il fallait remplir un sondage, de voir qu'est-ce qu'ils font, c'est toutes les tâches, et s'ils ne font pas ces tâches, ils ne sont pas des jeunes aidants, mais s'ils ont fait quelques tâches, peut-être ils sont au niveau moyen de jeunes aidants, et puis s'ils font toutes ces tâches-là, c'est vraiment, ils portent le tâche de jeunes aidants très lourd. Et si vous faites un sondage de même, vous allez trouver pas juste 2 à 3 % mais jusqu'à 20 %. Les données plus basses qu'on a vues dans le recensement, mais c'est 20 % de tous les enfants dans des échantillons représentatifs à l'Angleterre. On a trouvé que ces enfants ont des rôles de soins ou plusieurs rôles de soins dans leur famille. Et si on regardait le niveau de soins que ces enfants vont donner, on peut dire 1 sur 10 des enfants vont donner beaucoup de soins chaque semaine. Alors, un élément clé à rappeler, on parle de 20 % de tous les enfants dans l'Angleterre vont donner un certain niveau de soins. Et ces 10 % de tous ces enfants dans l'Angleterre vont donner un niveau impressionnant ou très significatif de type de soins qu'ils vont donner. Alors, on parle de 10 millions d'enfants qui existent en Angleterre. 1 million de tous ces enfants donnent un autre niveau de soins. Alors, dans chaque cours, chaque école, il y a, dans chaque cours dans une école, il y a 3 enfants à travers l'Angleterre qui vont donner un haut niveau de soins dans leur famille. Alors, ça, c'est invisible. C'est une population qui est tellement cachée. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas une petite population. C'est une proportion de population très significative. Et ça donne un modèle pour le Canada, pour le Québec, pour être capable d'identifier le niveau et les nombres des jeunes aidants, de demander aux enfants directement, soit dans les écoles, dans les centres jeunesse, à travers les équipes de services sociaux, communautaires, de regarder dans ces différents lieux, de trouver c'est quoi le pourcentage de ces enfants qui sont des jeunes aidants. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on connaît de nos recherches? On va savoir, on peut apprendre que ses parents, les grands-parents, les sœurs et des frères ont plusieurs conditions, maladies ou difficultés qui vont mener à avoir un besoin de soins. On sait, selon le recensement qu'on a fait, qui a été identifié par les parents, c'est des jeunes aussi jeunes que juste 5 ans vont donner
du soin. Et ces jeunes enfants, des fois, ils vont faire 50 heures ou plus par semaine pour donner le soin. Alors, même leurs parents vont divulguer cette information. C'est un job à temps plein. Alors, on essaie que les jeunes enfants veulent remplir ces sondages et les questionnaires que nous demandons en voyant qu'il y a beaucoup de très jeunes enfants qui vont donner des hauts niveaux de soins. C'est peut-être le soin général, le soin infirmier, le soin émotif, juste faire la supervision des parents avec les qui vivent avec les problèmes de santé mentale, si c'est des enjeux avec une difficulté de parler une langue appropriée, de faire la traduction, et aussi pour les jeunes avec les personnes dans leur famille qui vivent avec les handicaps. Et aussi, ils ont besoin de donner eux-mêmes, soigner pour eux-mêmes parce qu'on sait les conditions et qu'est-ce que la famille peut donner à cet enfant sont moindres. Et ce qu'on voit de plus en plus, on voit des problèmes de consommation, abus des différentes substances et ça, c'est une autre raison que des enfants ont besoin de donner de plus en plus soin par leur famille à cause de ce mésusage des substances ou médicaments. On commence à voir aussi les enfants ont besoin de prendre soin de leurs parents, des fois de manière émotive, de leur appuyer au niveau émotionnel. Des fois, c'est aussi de physiquement mettre entre leurs parents pour protéger, exemple, 90%, c'est la mère d'un autre partenaire. Amoureux ou amoureuse, c'est vraiment de même intervenir dans les situations violentes. Alors, on voit que ça va tellement plus large qu'on pourrait reconnaître. Pour moi, ça a changé le point de vue qu'il commençait plus étalé que la vision que j'avais il y a 30 ans. Et plus qu'un sur trois de ces aidants vont aider plus qu'une personne à la fois. On sait que les ressorts ou les effets sur les enfants aidants, ça peut être positif et négatif au même moment. Beaucoup d'enfants vont parler des éléments positifs qui sont beaucoup plus proches à cette personne à qui ils donnent soin. Ils font partie de cette infrastructure de le soin et le soutien. Ils sont vraiment, ils font partie de la famille, ils sont communautaires et tous les autres éléments. Par contre, les éléments négatifs peuvent être beaucoup plus lourds et influentiels que les points positifs. Ce qu'on voit à travers les années de recherche, on peut voir très clairement pour beaucoup des jeunes aidants, il y a des ressorts éducatifs. Ils vont avoir des notes plus bas à l'école comparé à d'autres enfants qui ne sont pas qui n'ont pas ces responsabilités. Et ces notes plus bas à l'école, il y a moins de chances d'aller à l'université et aussi plus tard, ils vont avoir moins de chances d'avoir des revenus plus élevés sur le marché du travail. Alors, c'est pas cette ombre est mis encore plus loin, pas juste pendant l'enfance, mais plus tard dans leur vie, parce qu'ils vont avoir moins de revenus, ils vont avoir moins de capacité de s'investir pour leurs assurances, pour la retraite et d'autres choses. Ça va affecter tout leur cycle de vie, pas juste leur jeunesse pour ces jeunes aidants. Et on voit que certains de ces jeunes aidants, plus tard, vont avoir des problèmes de santé mentale. Ils vont physiquement faire mal parce qu'ils aident physiquement, comme porter leurs membres de famille, les donner la douche, essayer de mettre dans la salle de bain, tout ça. Et puis, d'autres problèmes émotionnels aussi. Alors, on a des grandes craintes pour ces conséquences négatives pour les enfants aidants. Alors, qu'est-ce qu'on sait selon notre recherche? Pourquoi est-ce que les jeunes vont devenir des aidants? Et tout est intersectionnel. Il n'y a pas juste une seule raison. Le niveau de l'handicap ou les maladies pour la personne qui a besoin de soins, ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Ça commence cette avalanche
pour porter aux enfants, à prendre ces rôles d'aidant. S'il n'y a pas d'autres personnes, imagine s'il y a juste un parent, il n'y a pas d'autres enfants, c'est le seul enfant qui est disponible, va devenir l'aidant, le proche aidant. S'il y a deux enfants, peut-être un va juste devenir le proche aidant, l'autre ne va pas. Des fois, avec plusieurs enfants, un enfant va même être élu dans ce rôle de jeune aidant. Peut-être qu'il va avoir 4-5 qui vont presque rien faire, mais il y a un seul enfant qui va donner beaucoup. Et ça, c'est à cause de la structure familiale. Peut-être qu'il y a une relation avec le genre de cet enfant, mais il y a une relation avec le parent décide ou qui aimerait mieux donner ce soin, c'est l'amour. Mais en conclusion, c'est aussi une relation avec le fait que les familles ne peuvent pas acheter, payer pour une autre alternative de chercher ce soin à l'extérieur de la raison de famille pour libérer l'enfant. Alors ça, c'est une idée de comment on peut faire la prévention de créer plus de jeunes aidants. Un autre élément qu'on a appris, et ça, c'est la dernière diapo que je vais partager avec vous, avec nos connaissances selon notre recherche. Nous savons qu'il y a un continuum de soins donnés par les enfants. Sur le côté gauche, on parle de... On porte soin sur quels enjeux? Ça, c'est tous les enfants dans notre société, la côté gauche. Ça, c'est les enfants qui vont vers les niveaux plus bas du soin. C'est la majorité de la population. Ils vont faire des petites affaires par-ci, par-là. Par contre, c'est tous les enfants. Ils vont faire juste les petits éléments de porter soin sur d'autres membres de la famille qui vont peut-être avoir une maladie chronique ou d'autres choses. Mais quand vous allez vers la droite de cette continuum, on voit qu'il y a des enfants qui vont prendre plus de responsabilités sur de soins. C'est autour de penser le soin, c'est vraiment prendre soin sur la droite. Et puis, les responsabilités vers la droite deviennent de plus en plus complexes. Ça va être des responsabilités plus courantes. Ça va prendre plus de temps de s'occuper de leurs responsabilités. Souvent, ça va être plus intime, leur rôle de soins, de budgéter pour la famille, donner les injections chaque jour, de vraiment prendre soin, apporter leurs parents aux salles de bain, de même physiquement faire à manger, nourrir leurs parents. Et ça, c'est toutes les tâches de vivre. Quand vous voyez que d'aller de gauche jusqu'à droite, on parle de c'est juste de prendre, penser à soutenir puis de prendre soin. Les niveaux de responsabilité sont moindres. Et quand je parle de ces enfants jeunes aidants, ils prennent les niveaux très lourds de se prendre soin. Et les éléments sont essentiels. Ils vont prendre soin des tâches essentiel pour la vie de tous les jours. Et on voit l'évidence, la preuve significative des ressorts et des effets négatifs pour ces jeunes aidants. On voit à travers le monde ces effets négatifs pour les jeunes aidants. Il y a une étude que je viens de compléter il y a un an. C'est à travers des jeunes aidants dans trois pays européens. Et ça a vraiment regardé sur les impacts de santé mentale pour les jeunes aidants à travers ces pays. Ça a montré que ces jeunes aidants avaient les plus hauts niveaux de stress en niveau de santé mentale. Ça, c'est à travers tous les pays étudiés. Mais ça a aussi démontré que beaucoup de ces jeunes aidants avaient des possibilités, le danger de se faire mal à eux-mêmes ou aussi peut-être faire mal à quelqu'un d'autre. Et ça inclut la personne de qui il prend soin.
Ça, c'est ce qu'on a vu dans les différents journaux. Et parce que les niveaux de détresse au niveau de sentimental, on parle au-dessus de l'anxiété, dépression, ces sentiments d'être seul que souvent ils vont sentir s'ils manquent de soutien et reconnaissance, le travail qu'ils font, mais ça peut augmenter à bon faire mal à soi-même ou d'autres personnes. Alors, on parle des jeunes qui peuvent soigner dans d'autres pays. Mais il ne faut pas être comme le... Donc, on ne va pas être distrait de cette question. Alors, on parle d'Angleterre, par le recensement officiel, c'est juste 2-3 % qui sont définis comme les jeunes aidants. Et puis, on voit les 10 % c'est des enfants qui donnent beaucoup de soins et le 8 à 22, c'est un peu de soins. Par contre, on voit que c'est un peu décalé le diapo, on voit moins bien, mais à Canada, il y a 1,25 million d'enfants 15 à 24 ans. Mais il y a différents sondages à travers le Canada. On a parlé de 12 % l'âge de 12 à 17, jusqu'à 27 % sont des jeunes aidants. Mais il y a une difficulté avec les chiffres canadiens. On commence pas avec les jeunes enfants à 5 ans et plus âgés. On commence à 15, à 12 ans. Alors, ces sondages ne démontrent pas une réelle représentation du niveau de soins donné par les enfants. Alors, je ne peux pas vous donner tout le pourcentage des enfants au Canada qui sont les jeunes aidants parce que nous ne savons pas. Et j'aimerais, comme je voulais vous démontrer, laisser les chiffres. Non, mais je ne peux pas parce que les méthodologies utilisées, c'est différent, les blocs d'âge qu'ils ont sondé, c'est différent. Alors, mais ce que nous savons, le pourcentage des personnes, les enfants qui soignent les jeunes aidants dans d'autres pays parce qu'ils ont demandé directement aux enfants, ça, c'est très différent. On parle de 4 en Australie, 3 aux États-Unis, 7 en Suède, 7 en Italie, en Allemagne, c'est 6 %. Vous voyez qu'on voit ce profil international qui commence à sortir. Ça démontre le pourcentage des enfants dans certains de ces enfants, comme où ils ont fait, où ils font ces sondages, les enfants qui font ce travail de proche aidant, c'est entre 5 et 10 %. Et moi, je dirais que si c'est comme l'Angleterre, c'est 10 % des enfants au Canada qui donnent un haut niveau de soins dans la famille. Il ne faut pas trouver les distractions à travers des années pour chercher le vrai chiffre. C'est complètement, vous allez perdre votre temps. On va perdre l'énergie et les ressources parce que peu importe si c'est 5, 7 % 9 ou 10 % non, ça ne change rien. Si c'est 1 million ou plus qu'un million ou un peu moins ou moins, même 1,75 million, l'enjeu, c'est que vous avez des proches aidants au Canada qui sont invisibles. Personne ne les voit, ils sont ignorés. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas beaucoup de projets pour eux. C'est juste Amis Québec, c'est une exception. Il y a un autre et quelques autres lieux au Canada. Mais si on veut réellement trouver le chiffre de combien de jeunes aidants il existe, non, c'est plutôt un élément de distraction. Parce que si on reste piégé là-dedans, on va... Et on ne pourrait pas avancer de 5 à 10 ans. Non, moi, en ce moment... The pitfalls
that will take you years. Moi, je vais vous aider trouver une manière d'accélérer. Évitez ces pièges que vous allez perdre votre temps. Il y a juste un projet aux États-Unis en Floride, en Boca Raton. Même s'ils ont fait les statistiques de savoir il y avait combien de jeunes aidants, il y a 20 ans, quand on a fait un lancement d'un rapport ou une recherche, et ça a pris plus que 3 ans de faire ces recherches. Et moi, j'ai fait pendant juste une rencontre, pendant le petit déjeuner, c'était facile avec la proportion. On regarde la population des enfants, et après 3 ans, ils ont pu, selon leur sondage, trouver le même chiffre ou pourcentage que moi j'ai pu savoir juste avec la population des enfants. Alors, il faut aller l'avant plus rapidement. En Angleterre, on a fait beaucoup de recherches jusqu'à date. Si vous même posez la question à un conducteur ou conductrice de taxi, c'est quoi un jeune aidant? Bon savoir. C'est poser faire un test avec le conducteur de taxi. C'est de demander, c'est pas un test de film Taxi de Robert De Niro où ils vont utiliser un fusil. Non, on veut savoir, est-ce que ton conducteur, conductrice de taxi, vont savoir c'est quoi un jeune aidant? Parce que si cette personne sait c'est quoi un jeune aidant, dans la majorité de la reste du population va aussi savoir c'est quoi un jeune aidant. On a besoin de trouver toutes les stratégies, de divulguer, partager ces informations, de sensibiliser au tutelage. Alors maintenant, j'ai fait un peu de pour classifier ou montrer, parce que peut-être on va voir Angleterre qui est plus haut, niveau 2, parce qu'il y a des stratégies nationales, on a la législation et d'autres choses. Et puis on voit d'autres pays, parce qu'on a commencé à travailler en 2016 ou 2021, mais Canada, vous serez où au niveau de connaissances, au niveau des droits, des politiques même fédérales, des organismes communautaires, de connaissances générales, ces projets qui appuient les jeunes aidants, est-ce que vous serez en haut ou en bas pour les pays qui, comme le Japon qui juste commence en ce moment de créer les politiques et reconnaître les jeunes aidants. Alors, vous serez où dans cette liste de pays? Alors, dans les dernières 10 minutes qui me restent pour la présentation, on va parler du futur. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Comment est-ce qu'on va reconnaître et soutenir les jeunes aidants? C'est quoi les tâches? C'est quoi notre devoir que nous avons qui ont des craintes pour les jeunes aidants? Alors, on a besoin de déplacer les jeunes de cette position vulnérable, qu'ils vont donner des niveaux trop élevés, inappropriés. Ces niveaux de soins sont trop hauts. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi excessif pour un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans devrait être permis à faire? Est-ce que ça change un enfant à 12 ans, comme l'âge moyen des jeunes aidants en Angleterre, ou est-ce que ça change encore à l'âge de 17? On a besoin de changer qui donne trop de soins ou le soin inapproprié pour leurs âges. Et tous, enlever ces restreintes sur leurs éducations et les restreintes d'être capable de vivre comme des enfants, faire des amis, que ça ne va pas avoir des effets à long terme. Réduire à quel niveau ils sont vulnérables à l'isolement, de moins sentir tout seul et avoir moins de grands impacts négatif sur leur vie. On a besoin de déplacer de tout ça vers un poste de plus de pouvoir, d'être capable de grandir, sentir protégé, profiter de leurs enfants, de recevoir du soutien, d'être vraiment évalué, d'avoir la chance de profiter de leur enfance et devenir des adultes. Et comment est-ce qu'on fait ça au Canada ou à l'Angleterre et des autres pays qui commencent à réfléchir et veulent démanteler les enjeux que les jeunes aidants font face? En premier, on a besoin de les identifier, aller leur rejoindre. Ces enfants, ces jeunes, souvent, il y a plus de
pas de porte d'entrée. Ils devraient être capables d'aller à un concierge, un professeur, un ami. Ils devraient avoir aucune porte ou pied d'entrée qui est la mauvaise place. Ils devraient être capables d'aller peu importe et dire que moi, je suis un enfant, je prends soin de ma mère qui a des enjeux de santé mentale ou qui vit avec un handicap. Et l'enfant devrait voir que là, qu'il devrait avoir la chance d'avoir du soutien, pas avoir tout le l'avalanche négative que ça peut terminer avec le DPJ et l'intervention des travailleurs sociaux. Ce que j'ai appris à travers ces années, si vous allez commencer à un lieu, on commence l'établissement d'éducation, soit l'école ou même l'université, les collèges. On espère que ces enfants, ces jeunes vont atteindre l'université. Par contre, ils vont continuer à pratiquer ce rôle de jeunes aidants, même par distance. Alors, on a besoin de penser à ces enfants à travers nos écoles, à travers le pays. Il faut commencer ces initiatives, il faut les établir et les enfants, les jeunes vont être capables de les trouver. Il faut augmenter la connaissance, assurer que les personnes qui travaillent dans le système de santé, éducationnel, toutes ces personnes qui rentrent en contact avec les jeunes qui vont chaque jour en ce moment, ils sont en train d'échouer, de reconnaître que cet enfant devant eux, c'est un jeune aidant. J'ai parlé à plein de professionnels, des travailleurs sociaux, les psychiatres, tout ça. Il y avait plusieurs qui ne connaissaient même pas le concept, ne savaient pas que ça existait. Ça m'étonne à quel point que je leur pose la question et c'est comme oh mon, oui. Cet enfant avec qui je travaille depuis plusieurs années, c'est un jeune aidant. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous pensez si ça fait déjà 2-3 ans que vous travaillez avec. Et j'ai même demandé avec des thérapeutes, des psychiatres, et ces professionnels ne réalisent pas. Alors, il ne faut pas oublier, peu importe leur formation, ces professionnels, des fois, ne vont pas reconnaître que l'enfant, c'est un des proches aidants ou le proche aidant dans la famille. On a besoin d'être capable de faire les bonnes évaluations des besoins et les capacités d'un jeune pour donner soin et leurs besoins aussi. Et puis, j'étais tellement désolée, j'étais tellement partager avec ça avec vous et je n'ai pas changé mon diapo. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi l'objectif? Alors, il y a plusieurs affaires qu'on veut faire. Un des affaires qu'on veut faire, la prévention. On veut prévenir les enfants à devenir des jeunes aidants. Si on veut le faire, on a besoin de trouver des manières de mieux appuyer, donner soin à des personnes malades ou des personnes avec des problèmes, on devrait investir dans nos systèmes de santé. Ou est-ce qu'on veut réduire le niveau de soins qu'un enfant s'occupe? Alors, il faut renégocier les rôles dans une famille, que certains enfants vont faire moins et des personnes extérieures de la famille vont faire plus. Ou est-ce qu'on veut faire une intervention avec ces jeunes pour assurer qu'ils sont mieux capable d'avoir du meilleur soutien pour faire ce travail, pour avoir des soutiens sur la santé mentale, sur leur éducation, pour être capable d'arriver à l'université, d'avoir du soin pour naviguer à travers ces défis, ou est-ce qu'on veut leur aider à trouver un balance entre le soin et leur vie? Alors, il faut vraiment avoir des objectifs clairs par peu importe le service ou l'intervention qui veut être posée, on a besoin de regarder les services qui sont vraiment ciblés autour des objectifs. On a besoin d'un but
particulier de c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi les éléments qu'ils veulent livrer, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les enjeux, ils vont trouver une solution. Alors, moi, vous voyez un peu, en guillemets, les différents mots, ça c'est, il utilise, Olivier utilise prévention, atténuation, assistance et tout ça, et ça c'est les terminologies qui est utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire qui va vraiment changer? Maintenant, c'est mon dernier acétate finalement. Alors, on a ces actions qui vont réellement changer la situation. On voit si vous pensez, si vous réfléchissez de faire ça de manière stratégique, vous allez pas perdre le temps des années qui étaient capables d'utiliser le travail qui était fait ailleurs, dans d'autres pays, et nous allons sauver du temps, vous allez sauver des années. Si vous suivez ces éléments, ces action. On a besoin de mettre l'accent sur le soutien aux individus et aussi aider pour la cause. C'est quoi les raisons systémiques que ces situations sont créées? Il faut donner le pouvoir aux des jeunes adultes et donner les voix à ces personnes qui ont vécu ces situations parce que ces voix sont les plus fortes de changer les politiques, avoir une influence sur la population générale et trouver les bonnes solutions pour les jeunes aidants. Vous avez besoin d'accroître vos recherches, d'avoir plus de preuves, mais il ne faut pas tomber dans le piège de distraction que vous allez oublier de faire les autres 15 éléments de cette liste d'action. Vous avez besoin de créer quelque chose à travers le Canada, d'avoir un mouvement basé sur les droits pour les jeunes aidants, pour dire clairement que les jeunes aidants au Canada à tous ces droits. Et il y a beaucoup qui sont, plusieurs qui sont déjà écrits dans les conventions aux Nations Unies, et que les enfants ont le droit de se faire écouter, avoir leur propre voix, d'être capable de parler. On a besoin d'une alliance à travers le Canada, de tous ces organismes qui soutiennent ou qui veulent soutenir les jeunes aidants et aussi les personnes avec les handicaps, les enjeux de santé mentale, tout ça, on a besoin de trouver les alliés. Il faut trouver les personnes, les actionnaires qui font les politiques, les organismes qui financent de mieux faire. Vous avez aussi besoin d'utiliser les médias. Les médias travaillent fort pour mettre de l'avant l'opinion publique. Il y avait un documentaire sur 12 millions de personnes, un documentaire sur les jeunes aidants. Et ça, c'est les éléments qui peuvent déplacer ces affaires, aller vers l'avant. Vous avez besoin de créer les jeunes aidants un enjeu dans les écoles, d'éducation plus loin dans le milieu d'emploi. Because they have a caregiving role. Ils pensent que cette personne ne sont pas fiables parce qu'ils ont le rôle en tant que proche aidant. On a besoin de s'assurer que les employeurs sont prêts à travailler avec les proches aidants. Il faut mettre en avant les difficultés qui sont vécues, les coûts pour les enfants, mais aussi pour la nation. Parce que ceci est une génération et c'est une série de générations d'enfants qui sont à un certain point perdus en raison des conséquences qui continuent de leur enfance jusqu'en tant qu'adulte. Il faut faire des liens entre tout ce que j'ai dit aux valeurs clés canadiennes de la justice, de la mobilité sociale, de l'équité, qu'on veut que les individus puissent avoir la chance que leur vie ne soit pas définie par leur début dans la vie en tant qu'enfant. Pour les jeunes proches aidants qui commencent en tant qu'enfant, ça a fréquemment des grands impacts sur eux qui vont se trouver dans le futur. Je l'avais dit. Les questions de la mobilité sociale et justice sociale et l'équité sont cruciaux pour
les aidants. Il faut développer les services. Lancer les services, les jeunes prochainement vont venir. Parce que pourquoi est-ce que tu vas venir de l'avant, vous identifier? S'il n'y a rien pour vous soutenir, je ne voudrais pas m'identifier si je ne voyais aucune raison à le faire. Et c'est même pour beaucoup de jeunes en aidant. Ils vont se mettre de l'avant s'il y a une raison pour le faire. Il faut avoir un système pour évaluer leurs besoins. Il faut développer les services qui mettent l'accent sur les finalités. Il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne pour soutenir les jeunes personnes aidantes. Et il faut célébrer les différences que vous avez sur les vies individuelles pour cette cause. Et si vous voulez vraiment, vous pouvez prendre ces 16 éléments, les mettre dans le liste pour auto-évaluation et vous pouvez vous demander pour chacune de ces 16 éléments, avez-vous déjà commencé le travail? As-tu déjà commencé à aller de l'avant? Est-ce que vous êtes juste au début du travail avec le média pour celle-ci ou celle-là? Puis comme à ce moment-là, vous utilisez la première colonne. Ou est-ce que vous êtes déjà en train de développer ces actions comme il le faut? Est-ce que c'est un travail qui est en progrès? Là, tu peux mettre cocher la deuxième colonne. Ou est-ce que vous êtes si bien établi que ça, c'est votre quotidienne maintenant? Vous êtes dans la troisième colonne. Et vous voudriez peut-être faire ceci en exercice collectivement pour voir où est-ce que vous êtes au Québec sur ces 16 éléments d'action. Ceux-ci ont été diffusés à travers le monde dans les dernières 30 ans pour essayer de faire une réelle différence pour les jeunes personnes aidantes. Si vous allez de l'avant sur celle-ci ou quelques-unes de ces éléments, vous allez vous sauver des années. Quand j'ai commencé mes recherches, mon travail sur les jeunes personnes aidantes, j'étais probablement l'âge de Oliver et maintenant je suis dans mes soixantaines et ça m'a littéralement pris tellement de temps pour que les choses commencent à changer dans le Royaume-Uni à travers le monde. Donc, sauvez-vous du temps, prenez avantage de la chance d'apprendre de d'autres pays et de pouvoir montrer à d'autres pays qu'est-ce que vous pouvez faire ici au Québec pour faire une grande différence pour les jeunes prochains. Donc, merci. Merci beaucoup. Je voulais m'assurer qu'on a le temps de questions et réponses. J'ai assez dit à quel point qu'on était excités d'avoir Saul avec nous ici aujourd'hui. Et j'étais très fier qu'on ait eu la chance de l'avoir avec nous. J'aimerais bien, si les personnes ici pourraient poser des questions. On a un téléphone avec Greg. Et je peux vous amener le microphone si vous voulez lever vos mains. Et aussi, pour ceux et celles qui participent en ligne, vous pouvez écrire dans la boîte à clavardage si vous avez des questions, on va les lire aussi. Merci. Donc, j'ai quelqu'un en arrière ici. Oui, merci beaucoup pour cette prise de parole. Est-ce que tout le monde me comprend? Je sais que tu as touché sur le fait qu'il y a des familles qui ne sont pas en mesure de payer pour certaines sortes de soins. Je me demandais si votre recherche a démontré s'il y a des enfants qui sont plus intersectionnels ou des cultures qui valorisent plus l'interdépendance de leur famille, s'il y a plus de risques ou de chances que ces enfants deviennent des proches aidants ou s'il y a plus d'effets négatifs vu l'accumulation de
et dans cette humanitaire. Donc, des questions sont posées aussi à tout le monde qui l'a entendu. Je pense que quand même vous l'avez entendu, mais c'était en lien avec l'intersectionnalité et les populations autochtones. Donc, ce qu'on nous savons de la recherche dans de différents pays et aussi avec les politiques qui ont été mises en place, l'enjeu de l'intersectionnalité, ce qui représente une combinaison de race, de genre, de l'ordre de naissance de les enfants, ben, une combinaison vraiment de tout, la culture, le statut socio-économique, etc. C'est très important dans ce contexte. On ne peut pas expliquer pourquoi qu'un enfant en particulier et la personne proche aidante sans penser à tous ces différents enjeux intersectionnels. Donc, c'est vraiment au cœur de l'élément. Je sais que Nick travaille là-dedans pour son doctorat et j'ai très hâte à lire ce texte. Nous savons aussi que dans les populations autochtones, particulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'enjeu des jeunes proches aidantes est encore plus invisibilisé et ça pourrait être le cas aussi ici au Canada, j'imagine. Les défis de les enfants dans les populations autochtones qui prennent soin de leurs parents, qui ont différentes sortes de difficultés, et particulièrement les difficultés avec l'utilisation de substances qu'on voit en Nouvelle-Zélande, c'est assez anecdotique, mais pas bien recherché. Il y a un article récent qui en a discuté dans le contexte canadien, mais il y a très peu qui a été fait. Ce que nous savons de nos discussions avec les personnes dans cette population et avec les personnes, les preneurs de décisions, les travailleurs sociaux, même avec cette manque de recherche, il y a des réels enjeux avec l'invisibilisation et la nature du travail proche aidant entrepris par des jeunes dans les populations autochtones. Donc, il faut vraiment comprendre leurs besoins spécifiques, l'impact de la culture et tous ces différents aspects intersectionnels. Et encore plus important, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les soutenir, les aider, qui n'ajoutent pas à les stigmatisations que ces familles peuvent déjà vivre à travers d'autres systèmes qui manquent déjà de respect pour eux? Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je suis directrice d'une entreprise de proches aidantes de Montréal. Nous avons un projet pour les jeunes proches aidantes dans les écoles. Mon question est assez spécifique. Parce que tout ta recherche, ce que tu fais dans le Royaume-Uni, nous inspire beaucoup dans les actions que nous entreprenons. Donc, je me demandais comment que le projet local ou régional comme le nôtre, comment est-ce qu'on peut avoir un impact significatif sur les politiques provinciales ou fédérales, particulièrement dans les lois qui sont adoptées. Donc, comment avoir un impact concret? Merci, c'est une excellente question. La première question aussi est excellente. Donc, est-ce que vous pouvez avoir un impact sur les lois fédérales ou locales? Parmi les 16 points que j'ai mis de l'avant, essayez de répondre à cette question. Il faut avoir la force, le pouvoir, l'influence. Et une des façons de le faire, quand ça vient changement politique, c'est développer des alliances, une alliance avec une voix forte, avoir peut-être une coalition de différents organismes qui se rassemblent sous une seule grande organisme, créant une coalition avec plusieurs membres qui sont impliqués, qui veulent agir pour les jeunes proches aidants, mais aussi qui ont le respect pour les parents qui ont des difficultés. Donc, ce n'est pas une situation conflictuelle entre différents intérêts, c'est le but de les rassembler. Une des meilleures façons, c'est de protéger les jeunes personnes de devenir proches aidantes, c'est d'offrir de meilleurs services sociaux pour les individus qui ont besoin de ces soins. Mais on ne va jamais pouvoir arrêter que tout enfant ait un rôle de proche aidant. Donc, une alliance avec une voix forte, avec l'autorité et que nous ne pouvons pas ignorer. Il faut aussi avoir les voix de les jeunes proches aidantes au sein de cette coalition. Il faut amplifier leur voix.
Donc, si vous ne voulez pas faire les années de recherche au sujet de cet enjeu précis ou l'autre enjeu précis, mais essayer de pousser cette question sur l'agenda politique en termes de tous les services qui sont nécessaires, la meilleure façon de le faire, et nous le savons de notre expérience en Europe et d'autres pays, c'est de donner aux jeunes précédents la plateforme et la chance d'utiliser leur voix. Parce que quand elle prend parole, particulièrement sur la radio, sur la télévision, sur d'autres médias, en tant que preneur de décideurs politiques, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont en train de vous mentir. Vous ne pouvez pas dire, bon, on les a entendus, mais on ne va rien faire. Que ça ne nous dérange pas, ça ne nous intéresse pas. Il faut pousser les décideurs politiques vers l'action en leur montrant les voix des jeunes, de leur récit. Donc, pour moi, la façon d'avoir un impact politique, c'est faire de la recherche, mais pas trop vous perdre là-dedans, donner une voix aux jeunes précédents et de faire tout effort pour leur donner une plateforme pour se parler. Pas juste les mettre sur une plateforme puis vous attendre que tout va bien, mais vous assurer que vous les avez donné les outils, la formation, la confiance. Vous avez pratiqué ces différentes questions. Mais c'est ça que nous ferons en tant que professionnels. Il ne faut pas juste mettre des jeunes dans le milieu de cet forum puis vous attendre que tout va bien. Il faut utiliser ces modèles. Dans le Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle l'organisation communautaire. Je pense que c'est quelque chose que vous avez aussi. Moi, je suis un organisateur communautaire dans le Royaume-Uni. Quand nous utilisons ces principes d'organisation communautaire pour provoquer des réactions. La seule façon de créer des changements politiques, c'est de provoquer une réaction parmi ceux avec le pouvoir. Et vous provoquez une réaction quand il ne peut plus ignorer les voix, les données, le pouvoir et l'autorité d'une collection d'individus qui se sont rassemblés. C'est comme ça qu'on crée le changement. Moi, j'ai jamais eu des questions, une ligne pour me poser des questions comme ça. C'est assez surréel. Je vais simplement demander que les personnes qui sont présentement en ligne vont être la fin des questions pour les personnes ici en présentiel. Je suis ici toute la journée. On dirait que c'est comme un comédien, là. Mais non, je vais être ici. Mais je vais essayer de répondre des courtes réponses. Je voulais savoir s'il y a des études qui ont démontré qu'il y a une transmission intergénérationnelle dans un rôle de jeunes précédentes et ça serait quoi les restrictions politiques à ça? Je pense que vous avez donc posé la question. S'il y a une transmission de politique et de pratique, non, désolé, s'il y a une transmission intergénérationnelle du rôle d'être jeune président d'entre générations. Oui, oh, désolé. Compris tout de suite, mais oui, effectivement. Ce que nous savons des familles, il y a une maladie ou une forme d'handicap qui est dans la famille depuis longtemps. Le rôle de proche aidant est normalisé dans la famille. Les enfants sont socialisés pour rentrer dans ces rôles, donc ils ne voient rien d'étrange là-dedans. Donc, il y a une transmission intergénérationnelle qui est faite. Mais ce n'est pas négatif. Parce que cette transmission de compassion, un désir, une volonté de prendre soin des membres de votre famille et de prendre soin des étrangers aussi, c'est quelque chose qu'on devrait encourager dans toutes et tous. Et dans cet spectre de le jeune aidant, c'est vraiment tout à fait d'un côté, on devrait encourager les enfants de prendre soin de les autres individus, que ce soit des membres de la famille étrangère. Mais oui, il y a une transmission intergénérationnelle. Du travail que j'ai fait dans l'Afrique
sous-saharienne, il y a une attente que les jeunes vont prendre soin des différents membres de la famille quand ils sont vieux, quand ils ont une VIH ou SIDA, ils ont d'autres difficultés. Ce n'est pas juste de prendre des rôles de proches aidants, mais aussi d'offrir la source principale de revenus, parce que quand les parents ne peuvent pas travailler, c'est les enfants qui ont besoin d'aller chercher le revenu pour la famille, en plus de devenir proches aidants. Et donc, cette contrat intergénérationnel, comme qu'on le considère dans les cultures africaines, est très commun. Donc, on a beaucoup de données qui montrent que c'est transmis, mais à un certain niveau, c'est une bonne chose et pas une chose négative. Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici pour nous parler aujourd'hui. C'était très inspirant. Ma question est, je travaille dans une OBNL. On travaille avec des individus qui sont proches aidants, avec des individus qui ont des difficultés de santé mentale. Dans la dernière année, nous avons développé un nouveau programme pour les jeunes personnes aidantes pour recevoir des services tels un soutien psychologique. Dans un de vos points, vous avez dit qu'il faut établir le service pour que les jeunes viennent de l'avant. Mais ce n'est pas la réalité que nous avons eue à notre organisme dans la dernière année. C'est principalement des jeunes adultes qui viennent pour chercher ce soutien psychologique et ont la difficulté à avoir contact avec des proches aidants plus jeunes. Et on offre notre service dès l'âge de 12 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont pris avantage. Donc, je me demandais si vous avez des conseils pour nous aider à ramener cette population plus jeune à chercher des services. Oui, c'est une excellente question. Merci. C'est très difficile pour un enfant de 12 ans d'identifier dans leur vécu le bienfait d'un soutien psychologique. Même les terminologies que nous utilisons, ce n'est pas vraiment très utile pour les enfants, c'est un terme pour les adultes. Quand nous parlons de l'évaluation, par exemple, il faut évaluer les jeunes aidants, mais les enfants, ils pensent que bon, c'est une examination, c'est quelque chose que nous faisons à l'école. Le langage que nous utilisons, ça peut être une partie de le problème pour certains et certains enfants. Donc oui, je peux comprendre qu'il pourrait y avoir des enjeux. Les enfants ne comprennent pas c'est quoi l'offre de soutien psychologique, ne pas comprendre c'est quoi les avantages pour eux. Et ils pourraient penser qu'aller chercher ce soutien, ça pourrait être stigmatisant, que peut-être les parents ne voudraient pas qu'elle reçoive soutien parce que ça crée une idée de la famille que maintenant l'enfant a besoin de soutien psychologique parce que le parent, ce n'est pas un bon parent. Il y a beaucoup de défis à lesquels vous faites face. Je pense que l'une des meilleures façons à répondre à cet enjeu au niveau du système, c'est d'avoir une campagne de sensibilisation au pan-québécois. Et je vous encourage à le faire. Je l'ai suggéré hier soir. Vous commencez à publiciser qu'est-ce qu'ils sont les jeunes personnes aidantes partout, dans les hôpitaux, sur les côtés des bus, partout, pour avoir une photo de différents enfants avec toutes sortes de différents parcours et de représentations de diversité. C'est juste très simple. Mon nom, c'est X. Je prends soin de ma mère avec une difficulté mentale. Mon nom, c'est quelque chose d'autre. Mon père est en situation d'handicap et ma mère est en fauteuil roulant. Donc, des messages très simples, mais les images, fréquemment, sont plus importantes pour les jeunes, les enfants qui peuvent avoir peur de certaines termes. Et vraiment, d'avoir une campagne à travers la ville avec un point de contact pour les jeunes proches aidants. Pas plusieurs points de contact, que ce soit une ligne téléphonique, un projet qui peut aller voir. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui peut arriver. Si tu veux en discuter, plus où je pourrais donner d'autres idées, veuillez s'il vous plaît m'envoyer un courriel. Oui, bonjour. Je suis un de ces mots qui confuse les enfants. Je suis un conseiller. Je travaille pour une agence qui soutient les jeunes proches aidants qui ont des vides effets causés par des dépendances.
Ce qu'ils ont trouvé, c'est beaucoup de jeunes ils ont de la difficulté parce qu'ils ont été trouvés avec des drogues ou ils utilisent des drogues. Et on a commencé à ajouter cette question en réponse à la première symposium où on demande à tout le monde, est-ce que tu passes beaucoup de temps pour prendre soin de quelqu'un que vous aimez? Et de manière générale, la réponse est assez incertaine, on dirait, et qu'on continue d'en parler. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a beaucoup de stigmatisation en lien avec le rôle de proche aidant parmi les jeunes. Et quand j'ai entendu parler des sondages que tu as faits, je me demandais, c'était quoi la question que vous avez posée aux jeunes et as-tu des suggestions pour les questions qu'on pourrait mettre à l'avant? Tous les contacts que nous avons avec les jeunes, nous le posons, mais on se demande si c'est la bonne question, peut-être qu'il y a une autre façon de le poser. Merci. Donc, ça, c'est un grand défi parce que identifier des jeunes qui prennent soin des parents qui ont des difficultés de dépendance, spécifiques situations fréquemment, l'inégalité qui est reliée, ça peut être très difficile. Donc, si on prend l'exemple du Royaume-Uni, les drogues qui sont prises par les parents, il y en a qui seraient peut-être légales ici, puis beaucoup qui ne le sont pas. Alors, pour vous identifier un enfant qui prend soin des parents qui utilisent une drogue illégale, c'est extrêmement difficile. Et il faut poser la question, pourquoi est-ce qu'il voudrait être identifié? Il ne sait pas si votre intervention va être positive ou si ça pourrait impliquer le département de protection de la jeunesse, la police. Il y a des peurs autour de ce qui pourrait arriver. Donc, à un certain point, ça peut être très difficile d'avoir cette spécificité. Est-ce que tu prends soin de quelqu'un qui a une dépendance aux substances? Peut-être que ça serait plus facile d'utiliser une question plus générique. Est-ce que tu prends soin de quelqu'un qui a un besoin, des besoins, au lieu de quelqu'un qui a une dépendance? Et à ce moment-là, peut-être tu pourrais trouver des enfants, tu trouverais des enfants qui prennent soin des parents ou membres de la famille avec des enjeux de dépendance. C'est très difficile, c'est très complexe. J'ai eu des cas où des enfants étaient utilisés par leurs parents pour aller chercher des drogues. Et maintenant, ça devient un enjeu de DPJ. Je vous encourage à prendre les questions plus génériques. On a un instrument qui est traduit en français, le MACA. C'est outil multidimensionnel d'évaluation. C'est un élément avec un outil avec 18 différents éléments pour l'évaluation. Est-ce que tu pourrais juste le répéter? Ça s'appelle le MACA. Multidimensional Assessment Care of Activity, je ne connais pas le nom en français, c'est un instrument psychométrique qui est utilisé dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les organisations communautaires. Ça prend 2 minutes pour un enfant à le compléter. Ça peut être utilisé pour identifier les rôles de proche aidant parmi les jeunes et le montant de temps qu'ils utilisent pour le faire. Et ça peut être utilisé dans les écoles, dans différents contextes pour identifier les jeunes proches aidants parce qu'ils disent « Oui, je fais beaucoup de ces éléments. Vous saviez que c'est une jeune proche aidante et vous pouvez utiliser le MACA pour peut-être naviguer ce danger. » Il y a aussi le PANOC, un autre outil d'auto-évaluation, un questionnaire en ligne avec les finalités positives et négatives de soins. C'est inclut plus d'autres questions aussi qui montrent les adaptations positives et négatives qui ressortent de ces rôles. Il y a quelques questions dans ce questionnaire qui sont des questions très cliniques en lien avec la sécurité future de l'enfant. Alors, il y a au moins 2 instruments qui sont spécialisés pour évaluer et identifier les forces et difficultés à laquelle font face des jeunes proches aidants qui seraient très utiles dans une pratique clinique et ils existent tous les deux en français. Là, c'est fantastique. Merci. Je travaille pour une représentante étudiante dans une université. Une des choses principales que nous faisons, c'est d'aider les étudiants étudiantes
faire la représentation pour les aider à avoir des accommodements. Ma question principale, c'était quoi les accommodements qui sont recommandés pour les étudiants universitaires qui sont proches aidants? Pour beaucoup de jeunes proches aidants, particulièrement à mon université, Manchester Metropolitan, vu qu'on est 42 000 étudiants, on a la plupart qui viennent de les familles en situation précaire. Ce n'est pas une université élite, c'est beaucoup d'étudiants et étudiantes de première génération, beaucoup d'étudiants et étudiantes de communauté de situation de minoritisation. Il y a beaucoup qui ne vivent pas à l'université. Ils ont choisi Manchester Met parce que c'est proche de leur résidence et rentrent à la maison pour offrir les soins pour être là pour la fin de semaine. Mais pour beaucoup d'étudiants universitaires qui sont à l'université, qui vivent loin de leur maison, il y en a qui vont choisir d'aller le plus loin possible de leur résidence pour essayer de briser ce lien. Parce qu'il y a des cas où ça peut être très problématique, c'est une façon de s'évader. Et dans d'autres cas, les jeunes proches vont vivre plus proche de leur maison, leur résidence que possible. Donc, avoir une résidence étudiante où ils ont la chance de connaître d'autres jeunes proches aidants peut être très utile. Parce que ce que ces individus ne veulent pas faire, c'est de faire des récits de leur vie à des personnes qui ne le comprennent pas. Mais ce qui est vraiment incroyable avec le projet de jeunes proches aidants, vous n'avez pas besoin de débuter de rien. Tout le monde qui est dans la salle est déjà proche aidant et ils savent comment que c'est. Et cette compréhension mutuelle est si importante. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de résidence à l'université, c'est une question de avec qui ont la chance de rencontrer le soutien que vous pouvez offrir. Donc, il faut offrir un système de soutien pour les jeunes proches aidants, s'assurer qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils reconnaissent qu'il y a d'autres personnes étudiantes qui retournent à la maison pour offrir des soins à tous les fins de semaine, toutes les journées, périodes fériées, vous assurer que vos systèmes sont flexibles pour que si une jeune proche aidante s'endort en classe, n'est pas toujours être possible d'être en classe au bon moment, ils ne sont pas capables de soumettre leurs travaux à l'heure, avoir des processus contextuels, particulièrement pour l'inscription, que ça ne soit pas juste fait sur les notes qui ont été reçues, qui puissent partager leur récit. Et donc, on pouvait maintenant voir s'ils ont une implication en tant que travailleurs en tant que proches aidants, qui ont eu d'autres situations particulières, qui nous donne une idée de qui ces individus sont et qu'est-ce qu'ils amènent à l'université et les possibilités que ça nous offre. Mais il y a beaucoup de recherches, de publications qui montrent comment les universités peuvent soutenir les étudiants et étudiantes. Si tu voudrais que je vous en fasse référence, veuillez m'envoyer un courriel et je vais vous mettre en contact avec cet matériel. Hi, my name is Fan Gu. I work for. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, moi, je m'appelle Fan Gu. Et je travaille sur l'université Sherbrooke avec les populations migrantes et les populations qui parlent anglais au Québec. Ça, c'est une recherche. On parle beaucoup d'intersectionnalité. On voit les personnes qui sont complètement rendues invisibles à cause de leur statut immigratoire. Alors, je voulais savoir si vous avez les données ou les informations à des jeunes aidants qui prennent soin de leur famille ou peut-être d'autres personnes dans leur réseau qui ont des statuts immigratoires précaires. On a plus que 500 000 personnes dans ce pays qui n'ont pas des statuts officiels à travers plusieurs pays dans le monde. Alors, je voulais savoir si vous avez des informations pertinentes pour les personnes qui sortent des enjeux migrants. Alors, oui, si vous-même recherchez dans Google Scholar sur l'Internet, il y a des articles clés. Si on sait, les jeunes, les aidants sont invisibilisés, c'est encore pire pour les jeunes aidants
personnes qui sont migrantes ou qui ont des statuts d'immigration précaires, c'est encore plus difficile de les identifier pour les bonnes raisons, parce que la majorité ne veut pas se faire identifier parce qu'ils ne vont pas savoir qu'est-ce qui vont arriver à eux ou leurs proches s'ils sont « documentés », en guillemets. Alors, ce que je peux dire en relation avec ceci, si on veut la preuve en jasant avec les différents praticiens de la santé, on sait que c'est des enjeux qui augmentent. Même elle a parlé dans sa présentation, c'est quoi les états de lieu de notre société du monde dans l'instant. Les enfants qui viennent des conflits armés, les enfants qui sont dans les familles qui veulent essayer de s'échapper d'un pays jusqu'à Angleterre. Et vous voyez les milliers de personnes qui vont ont noyé dans la Méditerranée. Alors, les personnes qui ont le succès d'arriver sur terre concret en France, Italie, Grèce, d'autres places, ces enfants donnent soins impressionnants, essentiels à leur famille, même au même moment qu'ils vivent des traumatismes. Ils donnent ces soins à des familles fortement traumatisés, beaucoup qui viennent des zones de conflit. Il y a tellement de différents enjeux. Et pour moi, ça, c'est un enjeu très important. C'est un enjeu qui va vraiment être capable de démontrer une humanité. Et on a besoin de faire plus de recherches. Et je pense que c'est un symptôme ou un enjeu qui va empirer. Il ne faut pas juste des familles qui sort et trace à travers l'eau pour arriver à une place plus sécuritaire. Non, non, on va juste regarder dans les zones de conflits armés où on va avoir des enfants qui vont prendre soin, porter des soins médicaux, soins émotionnels, tout ça. Et il y a des certains projets qui sont dédiés à ces enjeux et c'est honorable de faire ça. Par contre, vous jouez dans un milieu que c'est tellement difficile d'identifier, de faire la recherche. Alors, il faut créer ces services, mais faire la promotion de ce service d'une manière qui ne crée pas de stigmatisation, qui est humanitaire et tout ça. Et peut-être il y a certains enfants qui vont venir vers vous et sentir à l'aise de se faire identifier comme jeunes aidants. Alors, je pense que c'est tout, mais merci beaucoup pour le temps supplémentaire que vous m'avez donné. C'est un plaisir. Et, comme j'ai dit avant, je vais être ici toute la journée. Alors, ça me ferait plaisir de vous parler encore plus pendant la journée. Merci encore.